Et salut tout le monde, c'est Onrag. Alors bienvenue pour le nouvel épisode sur Project Zomboid. Du coup, comme vous l'avez vu juste avant dans le petit accéléré, le petit montage que je vous ai fait, on a rattrapé avec Rocky là où on en était, plus ou moins. Alors il y a des différences. Je n'ai pas de voiture. Par contre, j'ai pu faire de l'agriculture. J'ai trouvé assez rapidement pas mal de graines. J'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de zombies fermiers quand j'étais. Je vais vous montrer sur la carte. Hop. Quand j'étais dans la petite ferme qui est ici. Et du coup, j'ai rattrapé aussi. J'ai revisité les bâtiments qu'on avait déjà fait dans la partie. Pour être. Voilà. Pour être raccord. J'ai visité ça. Il n'y a que la station que je n'ai pas visitée. Pas eu besoin étant donné que je n'avais pas de véhicule. Mais du coup, notre priorité va être de trouver un véhicule pour pouvoir aller plus loin, faire pas mal de sorties. Et là, on va partir, je pense. Ouais, on va partir juste. Je vais juste le faire monter un peu plus parce que 21h50, je pense que je vais attendre minuit. Parce que je crois que c'est le dernier. Je crois que j'ai le dernier jour, la dernière émission. Pour pouvoir lui faire monter un peu les skills. Ici, j'ai tout vidé. Je lui ai fait monter, du coup, menuiserie. Hop. Menuiserie, je suis bientôt niveau 5. J'ai pu récupérer aussi pas mal de bouquins. Donc, j'avance pas énormément. Parce que agriculture, j'ai juste lu. Mais j'ai pas encore récolté. Ce qui fait que ça va monter très rapidement. Je vais encore augmenter en lisant un max. Parce que là, je suis multiplicateur 0,6. Je vais essayer de le faire dépasser. Aller au moins jusqu'à 1,2. Et ensuite, le reste, bah, plus ou moins classique. J'ai toujours pas de mécanique, j'ai toujours pas d'électricité. Mais bon, j'ai commencé à, pareil, à lire. J'ai des réserves de bouffe. J'ai mes deux collecteurs. Cette fois, du coup, vu que j'ai attaqué l'agriculture, bah, je me suis fait les collecteurs. Parce que dès que j'ai commencé, on était en période suffisamment sèche. J'avais pas beaucoup de pluie, donc j'ai profité qu'il y avait encore de l'eau courante pour pouvoir arroser au début. Mais la pluie nous a un peu sauvés. J'ai tout qui est nickel. Donc voilà, patates, carottes, radis, tomates et choux. Voilà, c'est ce que j'ai et que pour l'instant, je vais me contenter de ça, ce qui est déjà pas mal. Je crois que là, il y aura déjà suffisamment de quoi se nourrir pendant un bon moment. Je pense que je vais du coup aller le faire lire un peu plus, regarder sa dernière émission, parce que là par terre j'ai tous mes bouquins. On avait dit du coup l'agriculture, et il va lire, manger et dormir, et on se retrouvera du coup au petit matin. Voilà, allez, à de suite. Bon, ben nous revoilà, alors on est parti, Rocky s'est levé de bonne heure, 4h du mat. Il a fait un peu de lecture comme d'hab, et il s'est entraîné, je lui ai fait faire ses petits burpees, histoire que... Il gagne en force, c'est pour ça que là, température est en train de redescendre parce que monsieur a fait du sport. Il est un peu mouillé, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, donc comme on l'a dit, ce serait bien qu'on arrive à se trouver notre véhicule ou le générateur, enfin, et ou le générateur. Je préférerais avoir les deux. Donc là, on va y aller tranquillou. Pied de biche, matraque, couteau de chasse et on va aller faire un tour. La voiture que j'ai sur le parking, il n'y a pas de clé. Elle est ouverte, mais il n'y a pas de clé. Donc, on va aller faire un petit peu d'exploration un peu plus loin. Allez, alors on est là, juste au-dessus du parking. On a un Greenies. J'ai pas croisé encore de... J'ai pas encore croisé de zombies. On va voir un petit peu là-dedans. Greenies, ça pourrait être sympa pour avoir des graines en plus. Bon, pour l'instant, on n'en a pas spécialement besoin. Je vais juste quand même regarder. Non, il est fermé. On va faire le tour. On va voir si jamais il y a une porte à l'arrière. Oui, mais je suis pas rassuré. Non, il n'y a pas de porte à l'arrière. Voyons voir si dans la réserve. Oui, on peut accéder là. On va quand même aller y faire un petit tour. On va fermer derrière nous. On ne se retrouve pas embêté par un zombie qui traîne. Oula. Conserve, conserve, sac de fraises pourri. D'accord. On a
On a pas mal de trucs. Sucre d'orge, barre de céréales. Alors, je vais récupérer les petits trucs comme ça. Juste pour... Bah ouais. On a des conserves à gogo. Ça, c'est bien. Bouillon de cube, conserve de sardines. Je crois que, ouais. Chips. Oh. Ça, je prends. Ça va nous être utile. Ouais. Et des bouquins. Allez. On va aller voir ça. Ici, il n'y a rien. Personne dans le magasin. Sac en plastique. Sac en papier. À coco. Non, rien dedans. Les caisses. Est-ce qu'on n'aurait pas du matériel? Non, c'est vraiment que de la bouffe. C'est parfait. De la bouffe non périssable. Les mac and cheese. Cerise, bon pour... Oh, oh, ça. Ça, on va prendre. Elle est encore bonne. On va la manger. C'est toujours bien. Voilà, bien nourri. Comme ça, on est bien s'il nous arrive quelque chose dessus. Et là... Ah non, c'est les étagères. Non, c'est aussi de la bouffe. Donc, on viendra voir ça plus tard. On va laisser ouvert ici. Et on va se déplacer par là. Essayer de trouver notre véhicule. Ce qui serait bien, c'est de trouver le générateur, comme je disais aussi. Mais j'ai l'impression que pour l'instant, on ne croise pas spécialement d'endroit où on pourrait trouver ça. Ici, on a la bibliothèque. Enfin, en tout cas, quelque chose qui y ressemble. Ouais. Oh, c'est ouvert. Alors, vous savez quoi? Sur le chemin, on va essayer de se faire... Un petit peu de ménage ici. Il n'y a personne. Ouais. On va y avoir ouais, des livres, des magazines, il y a tout ce qu'il faut. Et ici, un accès bloqué. D'accord, ils ont essayé de se barricader. Oh. C'est ici que ça tape? Non, ça sera dehors. Il y a des chances que ça vienne de dehors. Quelqu'un à la porte? Non, quelqu'un à la fenêtre. Je pense que j'ai été vu. On voit. C'est pas ici. C'est peut-être là-bas derrière. On va fouiller un chouïa. Ce qui mène. Ça, je prends. Je prends. J'ai énormément de bouquins. Je pense que je reviendrai. Ça sert à rien de se charger maintenant pour ça, alors que c'est pas ce qu'on est venu récupérer en premier. Hop là. On a aussi ici une fontaine à eau. C'est bien. Hop là, toi tu voulais quoi? Rien du tout. À terre. Et voilà. Ça c'est bon. C'est fait. Et rien d'intéressant. Votre rayon. Personne. Allons-y. Oh là. Là, on a un peu de monde. Viens là. On va essayer de se faire ça tranquille. Voilà. Un moins. Hop là. Les tournants comme ça, les petits angles, c'est mortel. C'est vraiment mortel. On les voit pas arriver, on les voit au dernier moment. Allez, tu tombes et tu meurs. Voilà, ça c'est bien. Clé. Oh, parfait. Ça, on prend. Et toi, tu avais... Rien du tout. Et là, il y a du monde qui tape. Alors, voyons voir. Voilà. Pour accéder à l'autre... Ouais. Il y a un peu de monde. Je pense qu'on va se... On va se vider ici, hein. Ce serait bien qu'ils viennent. Viens là, voilà, parfait. Gardez cela à l'œil. Faudrait pas que... Voilà, ça c'est bon. On regarde. La clé aussi, on sait jamais. Et là, ils sont deux. Donc, le mieux est encore soit de... Ouais, on va les aider. Oh oh, ça a cassé. Je crois que c'est là-bas que ça a cassé, non? Ouais, parfait. Ça les fait arriver au compte-gouttes.
qu'on se retrouve pas submergé. Oh là. Non, 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 non. Hop là, t'as voulu m'avoir. C'était bien joué de ta part, mais non. Toi. Là-bas, elle m'a pas vu. Elle m'a pas vu. Ça aurait été bien que tu me vois. Oh, oh. On va peut-être les laisser s'exciter et sortir de là. Ouais, je vais sortir d'ici. Je vais les laisser venir. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer notre recherche. Comme ça, voilà, parce que le bâtiment est quand même assez énorme. Ici, on va en profiter. On remplit. Voilà. Et on va continuer. On sait qu'il y a tout ça. Eux, ça va les faire descendre et ça va nous permettre de nettoyer le bâtiment tranquillou au fur et à mesure. Là, le bouillard ne se lève pas beaucoup. Oula. Là, il y a du peuple. On va peut-être pas passer par là direct. On va contourner un chouïa. Le terrain de sport. Ça, d'accord. Et on a quoi là-haut? Parce que là, il y a des palissades que je pourrais éventuellement passer. Ouais, petit groupe ici, c'est quand même mieux. On va se faire cela. Là, il y a des fringues. Il n'y a toujours pas de véhicule. Hein. Ça, c'est vraiment, vraiment pas de bol. On va se rapprocher. Voilà. C'est quand même mieux. Toi, tu tombes. Allez. Voilà. Merci. Il est en train de stresser. Du coup, on va lui faire prendre sa petite clope après. Après celui-là. Voilà. Il n'a pas duré longtemps, lui. Impeccable. Haute colonne, on s'en fout. Par contre, tu as des bêta bloquants. Merci, mon petit gars. Ça, c'est le top. Allez, fume la clope. Stresse pas. Stresse pas, Rocky. On va y arriver. Madame. Voilà, à terre. Et c'est bon. Le brouillard, ça y est, se dissipe enfin. On va pouvoir voir. Ils sont passés où? Ils ont dû se déplacer peut-être par là. Ça, c'est à voir. Toi là-dedans. Viens là. Allez, petit. S'il vous plaît. Merci. Viens là. Tu me vois là. Oh là. Ouais. Il y en a qui arrivent là. Faudrait pas être pris en tenaille. On va se laisser une petite marge. Voilà. Petite manœuvre. Petite marge d'action, je veux dire. Allez. Allez, coup de pied de biche. Ça fait toujours du bien dans les dents. Allez. Oh. Parfait, il est en forme. Il est en forme. Personne derrière. Non, toujours bon. Vous. Ben, on va se faire un petit coup de... Voilà. Voilà. C'est pratique de pouvoir taper à travers les vitres comme ça, quand même. On dirait pas, mais c'est très pratique. Il y a encore du monde. Oh, il y a pas mal de fringues, là. Il y a moyen de se trouver des trucs. Alors, par contre, au niveau générateur, là, ça sera que dalle. Peut-être là-bas derrière, là. Petit entrepôt, je sais pas quoi. Toi, à terre. Merci. Ouais. Bon, toi. On va te finir avant que les autres arrivent. Viens là, viens là. Non, tu veux pas? Ils sont en train de défoncer les vitrines, c'est un truc de fou. C'est pas grave, au moins on aura des accès. Oh, hop. Oh, il y a du monde qui arrive. On va y aller tranquille. On va se les faire au fur et à mesure. Ne pas se stresser. Ne pas se faire mordre, surtout. Voilà. Très bien. Parfait. Ouais, 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 ça c'est bien. Au fur et à mesure. Un à la fois.
tous à terre. Très très bien. Il gère, petit Rocky, il est essoufflé, mais il gère. Appareil photo haut de gamme, je vais le récupérer. Ça sera toujours bon pour monter mon électricité. Rien, rien, rien. Ah si, ah non, c'était un ouvre-lettre, on s'en fout. J'ai cru que c'était un poignard. Du coup, là, on est bon. Ici, il n'y a rien au sol. Non. Eh ben, par contre, légèrement fatigué et essoufflé, on va se mettre dos au mur. Et on va se reposer 5 minutes. Voilà, comme ça, on voit arriver. Impeccable. Dos au mur, comme ça, je peux accélérer le temps, c'est pas un souci. Alors, on met pas de générateur là-dedans, je pense. Hein. On va quand même aller jeter un petit œil à tout hasard. Des fois qu'il y a une pièce. Par contre, ils ont pété la porte là-bas, c'est nickel. Sur les portants, on a quoi? Des t-shirts, des sweats, tout va bien. Là-bas dedans, des gants, visière, béret, bob. Ok, sac en papier, on s'en fout. Est-ce que j'en ai des gants? Est-ce que j'en ai? Très bonne question. J'ai des gants ici, mais... Non, c'est bon, je garde mes gants. On va aller voir s'il y a quelque chose là-dedans. S'il vous plaît. Cabine d'essayage. Non, et là. Non. Bon, rien du tout. Allez, on va aller voir le petit truc à côté. De là où sont sortis tous les oiseaux. Let's go. Ah, on en a d'autres. Toi. Viens là, viens là, viens là. Bien accueilli. On fait des soldes. Soldes sur les coups de pied de biche. Allez, tombe. Merci. Parfait. Carte de Louisville, mais ça je m'en fous. Oh, t'as pas une hachette dans le dos toi là-bas? Allons-y. Non, c'est pas une hachette. Voilà. Allez, gère-moi ça. Tu gères comme un charme. Tout va bien. Ici, je sens qu'il va y avoir des trucs. J'aurais aimé que toi, tu viennes. Viens là. Coucou. Allez. Merci. Allez. Tombe. Non, tu veux me faire quoi là? Non, 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 il n'y a pas moyen. T'as essayé de me faire tomber. Et là-dedans... Ouf, il y a des cuisines. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un dîner. Ok. Ce qui veut dire de la bouffe. Ce qui veut dire aussi... pas des trucs qui m'intéressent vraiment. Non. Mais vraiment pas. À part... non, même pas, rien du tout. Le dîner, je m'en fous. Alors, on va sortir de là. Ah, il y a du monde. Je vais me faire voir. J'ai pas envie. Je ressors. On va passer par derrière. Il faut être discret. Au minimum. Allez, go. Il est très fatigué. Il a faim. On va sortir de là. Ouais. Et on va manger un petit bout. C'est parti. Chips. Non, barre de céréales, tiens. Ça, ça redonne un petit peu de... Ça redonne du peps. Ça, c'est good. Ici, on va être en bordure. Donc, on s'en fout. Le chantier. Va falloir qu'on y aille un de ces quatre aussi. Mais je sais pas quand. Hop là. Tiens, il y en a un qui est là. Oh, attendez. Vous étiez dedans. Et je vous ai pas vu. Bah écoute, tu vas essayer de sortir toute seule. Moi j'en ai deux qui arrivent là, avec son râteau planté dans le dos. Oh là 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 là. Là, hop, 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 hop. Vous vouliez m'avoir, mais non.
Est-ce que... Non. Ça là-bas, c'est bon. Allez, go. On frappe. J'aimerais tellement avoir une batte de baseball, mais c'est pas encore le cas. Le pied de biche fait l'affaire. Allez. T'es essoufflé, mais c'est bon, là. Faut que tu survives. Y a personne. Pousse et frappe. Pousse et frappe. Ouais. Parfait. Allez, frappe là, la petite. Le pied de biche. Ouh, le pied de biche commence à prendre cher. Paf. Ouais. Le pied de biche commence à prendre très cher, même. Ok. Alors, il y avait du monde, je suis essoufflé. C'est vraiment une mauvaise condition, toi. Il va falloir faire du sport. Hein. Ouais, j'ai rien de plus. Alors ça, par contre, hein. Depuis le temps que c'est ok, ça doit être bon. Ouais, nickel. Personne. Allez. J'aimerais bien en avoir un avec une hachette ou une hache quelque part, parce que j'ai toujours rien pour couper du bois. Je suis obligé de démonter tout ce que je trouve. Allez, pousse. Voilà. S'il te plaît. Allez. Oh, il est vraiment fatigué. Là. Vraiment, vraiment fatigué. Je me demande quelle heure il est. 14h50. Mais il faudrait quand même continuer un minimum. Parce que j'ai envie de dire, on est loin d'avoir trouvé et notre véhicule. Et notre générateur. Là-bas, il y a du monde aussi. Ouh, il y a du monde. Ça. Ok. Oh là. Non. Et si je faisais un sneak? Ouais. Par là. Par là. Non, tu m'as pas vu. Tu ne m'as pas vu. J'ai passé ça tout doucement. Ouf, il y a du monde, il y a du monde. C'est pas grave. Hop là. Parce que là, en étant essoufflé, ça va être compliqué de leur échapper s'il m'arrive quoi que ce soit. Oh, oh, pas bon. Vraiment pas bon. Je suis allé me perdre là où il fallait pas. Alors. On va repartir par là. Et on va... parce que là, il n'y a rien en fait. Là, il y a des maisons. C'est là qu'il faut que j'aille. Faut que j'aille là-haut. Je le vois sur la map. Donc, je vais aller par là-bas. Mais je vais faire le tour autre part. Allez, on va s'offrir une petite bagarre avec ces trois-là. Histoire d'être tranquille. 3, 4 là. Allez. Pousse-les. Pousse, pousse, pousse. Tu vas le faire. Hop là, allez. Punaise, c'est compliqué là. Il est vraiment... Ah, un de moins. Ça, c'est bon. Bon. Tu vas y arriver. Ouais. Allez. C'est parti, petit coup de pied de biche. On va rester sur les autres, histoire de les empêcher de se relever. Ça aussi. Je peux pas regarder derrière, j'espère qu'il y a personne qui arrive, parce que là, ça va pas être terrible. Voilà. Olé. Parfait. Parfait et parfait. Ouais, c'est bon. Voilà, il n'en peut plus. Il n'en peut plus. Il est épuisé, le petit. Hop. On va passer par là. Là de derrière, c'est pas mal aussi pour aller couper du bois, mais c'est pas encore d'actualité. Est-ce que je retourne me reposer pour faire une sortie plus tard, ou alors... Non, on va rester là. On va se reposer un chouïa. Et on va essayer de remonter, mais de l'autre côté. On va contourner la bibliothèque. Là, je vais m'asseoir ici. Hop. Voilà. Et on va se reposer. Le temps... Ouais. Le temps de... Oh.
Toi. Toi, toi, toi. Tu veux pas que je me repose. C'est compliqué de trouver un générateur là. Il faudrait qu'on ait. Ah, peut-être un. Vous me direz, peut-être à la station-service, il faudrait que j'aille voir ça. Ça pourrait... Voilà, merci. Ça... L'épuisement est horrible. Oh, Rosewood, ça je le prends, je l'irai plus tard. Je vais pas regarder la map en étant ici, parce que je vais me faire croquer, ça c'est sûr. Et ça... Ça c'est quoi? Oh! Oh! C'était quoi ça déjà? Peinture, tuyau en plomb, tuyau en métal. D'accord. Marteau. Ah, mais j'étais déjà venu là, je crois. Je crois que j'étais venu. Barre en métal, ficelle. Ça, je prends. Ou que je prenne de toute façon. Clé anglaise. Ah ouais, j'ai des. Il y a un petit peu de matos là. Tournevis. Les clous. Je suis venu, mais j'ai rien pris, ça m'étonne. Ça m'étonne de moi de rien avoir pris de tout ça. Oh, une bêche, une pelle. Il y a des graines. Des tomates, mais j'en ai plein. Donc je vais les laisser là pour l'instant. Je vais pas me charger pour rien. Des planches, sac en toile. Toc, toc. Oh, lunettes de sécurité. Un briquet. Non, je suis pas venu ici. J'aurais pas laissé un briquet. Est-ce que j'en ai des lunettes de sécurité? Est-ce que j'en ai déjà là? Je ne crois pas. Donc, on enfile. Hop, parfait. Sac en toile. Et là, est-ce que c'est une bonne idée d'ouvrir ici? J'ai l'impression que ça ressemble à une école. Il y avait des salles de... Comme des salles de classe. Allez, ouvre-toi. On va voir ça au passage. C'est la maternelle, non? Ouais, mais... C'est les cours primaires. Allez. Ça. C'est fait. Du coup, on va se passer de l'autre côté. Il est soufflé. On va monter chemin sûr. Vu l'état dans lequel il est, on va essayer d'aller voir à la station-service. Et on va éliminer au fur et à mesure de l'autre côté ce qu'on peut. Parce que là, vu dans l'état dans lequel il est, il va pas faire grand-chose très longtemps. Allez, on se retrouve là-bas. Ah, alors premier obstacle, j'ai un petit groupe devant le poste de police qui me bloque le passage pour aller là-bas. Là derrière, je vois pas ce qu'il y a. Mais on va d'abord essayer de se faire cela. Je suis... Alors, hop. Petite clope. Toujours pareil. Vous avez essayé de me choper. Et j'ai eu un bol monstre de partir au bon moment. Parce que je ne vous avais pas vu. Mais alors vraiment pas. Alors la fatigue, l'essoufflement. Il commence légèrement à paniquer. Mais ça va le faire. Si on y va méthodiquement. Voilà. S'il vous plaît. À la fois. Non. Non. Toujours pas. Poussez-vous. Voilà. Quand j'en ai un, c'est bon. Il est fatigué, petit Rocky. Et il y en a. Oh, ça c'est bien. Ça c'est bien. Ah oui, ouais, ouais. On reste dessus. Tu vas le faire. Voilà. T'as beau être essoufflé. Parfait. Le coup de bol, les trois qui sont tombés en même temps. Ça, c'était nickel. Ah, carte de West Point. On prend. Non, pas tout. C'est pas grave. Il a tout pris. Je vais prendre aussi. Elles sont sur les cadavres. Ça, je prends. Et là, du coup, ça à ça, je m'en fous. Tu repars là-dessus. Parfait. Le petit, il a faim. On va manger un petit paquet de chips. Là, voilà. Humide. Ben, parce que t'as chaud, hein. Il a chaud le coco. On va essayer de passer sans encombre. Allez. Tombe. Voilà.
Petit café. Je crois que j'ai un petit café pour la fatigue. Je vais essayer de voir ça. Voilà. Tac. Des bêta bloquants. Encore mieux. Et là, je m'étais préparé un café. On va tout boire parce que vu l'état de fatigue, je sais même pas si ça va redescendre dans le rose. Là, on est dans le rouge. Non, niveau fatigue. Bon, ça m'a calé mon petit creux. Allez. On va se faire cela. Let's go. On va se dégager le passage jusqu'à la station. Ouais, merci. Go, allez. Alors, il lui faut mais 10 coups de pied de biche. Oh, pour arriver, il y a encore 10. C'est gentil. Allez, toi, suivante. Non, mais voilà, panique pas. Il y a un zombie. Voilà, tu mets à terre et tu l'éclates. Vise la tête. Si, quand même. Parfait. Et go. Oh, il y a du monde. Il y a du monde. On passe là. J'espère qu'ils ne m'ont pas vu. Alors, j'espère pas. Là, il y a le Carfix. Il y a du monde. Là, il y a du monde aussi. Ouf. Ouh, ça mérite autre chose que un Rocky fatigué avec un pied de biche qui va lâcher. Ça. Non, on va rentrer. Ben, aujourd'hui, chou blanc. Mais il n'y a même pas un véhicule là-dedans. Il n'y a que dalle. J'ai l'impression que la ville est déserte de véhicules. C'est un véhicule. Là, pour le coup, j'ai vraiment pas de chance. J'ai eu de la chance pour l'agriculture, mais à ce niveau-là, c'est vraiment tout pourri. Du coup, ben, je vais hop, rentrer, m'occuper de sa santé. Et on va refaire un petit point, parce que là, c'est bon, on commence à dégager. On va pouvoir y accéder plus facilement, mais il faut qu'il soit en forme pour affronter les packs qui sont là-haut. Sinon, je crains le pire. Il va finir par se faire croquer et c'est pas le but. Là, non. Là, non, je prends pas le risque. Donc, on rentre à la Casbah de suite. Et voilà, impeccable. Alors, on est rentré. Je me suis arrêté. J'ai pris le temps de me préparer un énorme taco. Deux rôtis. Deux full rôtis. Et j'ai mangé le surplus de viande cuisinée. Comme ça, je suis bien nourri. Et là, maintenant, 23h30. Il est l'heure d'aller dormir parce que là, il en peut plus, Rocky. Je vais donc m'arrêter là pour cet épisode. On aura fait chou blanc. On a découvert des bâtiments, on a découvert le Greenies avec énormément de bouffe. Ça va être une réserve considérable de conserves. Et aussi la bibliothèque à visiter quand je serai un peu plus en forme. Et après, on va continuer. Du coup, là, on va regarder sur la map. On va aller s'occuper d'ici la station et remonter par là. Parce que là, on l'a vu, c'était full, des gros groupes. Je peux pas m'en occuper pour l'instant. Enfin, pas à ce moment-là, dans l'état dans lequel Rocky était. Donc, on va se nettoyer de ça tranquillou, petit à petit. Peut-être ressortir le pompe, on va voir. Ce serait l'occasion de tester. Voilà, de conjurer le mauvais sort de la dernière fois. Donc, je vais m'arrêter là, le laisser dormir. Une grosse nuit l'attend. Et demain, une énorme journée aussi. Donc moi je vous fais des gros bisous, merci d'avoir suivi l'épisode, n'hésitez pas à liker et laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Donc on se dit à la prochaine et en attendant, portez-vous bien, ciao ciao.